On y est. Alors, bon, un logotype, c'est une chose simple. En réalité, c'est donc une sorte de drapeau qui fédère une entreprise, une manifestation, etc. Or, le salon des micro-entreprises avait, à mes yeux, un logotype qui ne correspondait plus à la réalité. On était loin du petit salon amateur, sympathique, qui s'est professionnalisé. C'était devenu un salon avec des vrais annonceurs qui investissaient dans des beaux stands. Les visiteurs eux-mêmes avaient évolué. La notoriété de ce salon était devenue nationale. Donc il était temps de changer pour que le logo ne soit pas à la traîne. C'était un peu le cas. Et ça m'avait frappé lorsque j'étais dans le métro au moment de la manifestation. Je voyais des gens qui sortaient du Palais des Congrès avec des shopping bags, avec des sacs du salon. Et je n'ai pas vu le logo. Il était masqué, envahi par tous les autres logos des partenaires. Je me suis dit, là, c'est pas normal. C'est le moment de changer. Donc, il fallait un logo comment? Un logo qui représente le positionnement du salon. C'est un salon qui est de la micro-entreprise. Eh bien, il fallait affirmer ceci, le salon des micro-entreprises. La cible, elle est nette, elle est claire. On sait où l'on est. Il fallait aussi une symbolique qui puisse supporter la comparaison des partenaires qui sont autour des partenaires officiels ou des grandes marques, etc. Sans qu'on soit noyé. Vous voyez, ça a une force considérable. C'est une sorte de symbole qui signifie aussi le mouvement. C'est une entreprise, mais qui n'est pas fermée, qui est ouverte, qui est en devenir. Il y a le côté aussi peut-être arrobase qui nous situe dans un contexte très contemporain. Le petit M de la micro, c'est aussi un couronnement, c'est le succès de cette petite entreprise qui est pleine de promesses. Et puis la couleur orangée, eh bien l'oranger, ça a la puissance du rouge, ça a la brillance du jaune, sans en avoir les inconvénients ni les limites. Hein. C'est une couleur confortable, hein, dynamique mais confortable. Le soleil, c'est aussi cette couleur-là. Micro-entreprise, un salon qui est devenu adulte, mais dans un contexte, je dirais, sympathique. On n'est pas institutionnel, on donne de leçons à personne. C'est un logo accueillant, dynamique, chaud, puissant. Il n'y a pas de raison. La micro-entreprise, c'est plein d'espoir. On doit miser sur des micro-entreprises. Et donc, on doit miser sur le salon de la micro-entreprise. Eh bien, ce logo, moi, j'aime à dire que c'est un logo juste. Il n'a pas de prétention, mais il a de l'ambition. Il est jeune, mais il peut accueillir tout le monde. Et il symbolise directement, sans malentendu, ce qu'il est. Je suis le salon de la micro-entreprise. Venez.